montrer que quand je parle en français, je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ne comprennent pas tout. Ça ne dérange pas du tout. L'essentiel pour moi, c'est que le message doit être français. Parce qu'on fait un parce qu'on fait une lettre jumelée, voilà le thème. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de termes qui sont scientifiques, beaucoup de termes que peut-être vous ne connaissez pas. On va essayer de travailler ensemble. Je vais essayer de présenter autrement le thème. Maradish n'a pas les diapositives comme font les autres. J'ai assisté les journées, j'ai assisté à plein de choses. Kéjou, les médecins, les gens qui présentent, qui parlent les diapositives, c'est compliqué. Mais pour moi, des fois, je n'arrive pas à comprendre. Mais quand on parle des diapositives, des fois, le message n'est pas français. Donc, on va essayer de travailler le sujet interactif. Et là, quand j'ai jamais fait une tournage, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ne cessez pas de m'arrêter. Vous me dites, voilà, on n'a pas compris ça. Et puis, on va essayer de l'expliquer autrement, comme ça que vous puissiez bien comprendre les choses. Alors, la dysfonction érectile, qui m'a dit Mohamed tout à l'heure, c'est le sujet d'actualité. Merci. Le sujet d'actualité, parce que je peux vous dire que la consultation d'andrologie, l'andrologie, il y a tout ce qui traite la dysfonction érectile, la halaqat zawjiya, l'usage de qadaïb, la fertilité, ça occupe la place qui est très importante pour la consultation, soit avec le gynécologue, soit avec le médecin généraliste. On va parler des statistiques tout à l'heure, alors on va faire ça bien et vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai essayé, je vais détailler, il y a 99 diapositives, voilà qu'il y a des diapos, je vais passer rapidement. On ne va pas essayer de détailler chaque diapositive parce qu'il y a des choses qui sont quand même un peu compliquées, qui sont un peu hyper spécialisées. Voilà, j'ai essayé de faire un plan, d'établir le plan. On va parler un petit peu de l'anatomie, on va parler un peu de la physiologie de l'érection, et puis on va parler de la dysfonction érectile en elle-même, c'est-à-dire la définition, ashnouria, ashnouhumal asbab, ashnouhumal comment ça se passe, ashnouhumal doigt, qui fait ce qu'il fait. Il a fait tout. Si vous comprenez l'anatomie, la physiologie, le reste serait très très simple. Donc il n'y aura pas de maladie, je ne sais pas, je vais faire un mot bien, je vais faire l'anatomie, je vais faire la physiologie, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse l'érection à la vie. Après, le reste serait très très facile. Donc, la verge. La verge, c'est un organe. Il y a beaucoup de termes. C'est-à-dire que Hshuma, le mot Hshuma, je n'ai jamais trouvé la définition d'elle. C'est quoi Hshuma? Qu'est-ce que ça veut dire le mot? Parce qu'il y a la définition de dialogue. Ailleurs, ça n'existe pas. En France, les autres pays, la verge, pour moi, je considère la verge la fonction de dialogue. L'anatomie de dialogue fait la dialogue. Je fais le blanc, fait le corps caverneux. On va donc les deux sur le côté, on fait le corps spongieux, on fait l'urètre, le canal qui est devenu occupé, on fait l'os. Ou qu'il y a l'os du bassin, c'est-à-dire on fait la verge, les autres organes du corps. Allah subhanahu wa ta'ala, le corps, parce qu'il y a des fonctions, parce qu'il y a un dor dans la vie du corps. Donc, Marstache ne goulue là, c'est pas bien, il y a des chiffres qui sont au visage. On le voit beaucoup, il y a des malades qui viennent nous voir. Parce qu'elle nous a un problème de dysfonction érectile, il y a le dorphine génétique. Voilà qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a un problème de prostate, j'ai des problèmes émotionnels, j'ai un problème de prostate, j'ai ici, elle dit. Et à la fin, c'est qu'à la fin de la consultation, elle dit qu'il y a un docteur qui a dit qu'il y a un problème de prostate. Donc c'est, finalement, on se rend compte comme quoi la dysfonction érectile c'était la question principale, voilà qu'il y a un abordé vraiment full frais. Donc, je n'ai pas. La verge, donc il y a trois composants. Donc l'introduction, donc la verge est un organe de miction, une copulation. Je veux dire la miction, quelle est l'objectif? Faut pas, juste pour vous dire, tout ce qu'on va faire aujourd'hui sur la dysfonction érectile, il y a l'équivalence d'un de la femme. Donc c'est-à-dire, peut-être, c'est pas Inch'Allah, que l'on donne à la femme, ou tout ce qu'il avait, ou à la kin. Le nisba de la verge, c'est un organe de miction. L'imam a douche la verge, le maradish est prévu des pipis. Ou le maradish est prévu des pipis, là. Vous pouvez imaginer tout ce que c'est. La population chinoise, Tawali,
الا ما كانش نبات ما غاديش تولد ما غاديش تولدوا ما غاديش تجوزوا با دونفون دونك هذا هو الدور هذا هو علاش الله سبحانه وتعالى حطينا كافير il est constitué donc on a dit deux corps caverneux les corps conjoints je vais marquer ici pour que vous puissiez voir après donc il y a trois parties il y a la partie des lias distales le gland la partie moyenne les lias le corps qui est fixe ou la partie postérieure les lias la racine qui se fixe flos donc la partie antérieure qui est le gland je pense que ça doit être ça la partie des corps caverneux de vous mal différent le sang ou hada on voit le corps spongieux qui est une urètre. Au nerf, vous allez voir, il y a plein de muscles, le périnée, les kayaouf, l'érection. Et les mécanismes, les muscles, l'érection macatoche. Les malades qui sont neurologiques, je ne sais pas très indicatif, les malades qui sont la sclérose en plaques, qui ont une maladie neurologique, un accident de la voie publique, ils sont dans la chaise roulante, ou la kayfukose mutaharrik, ou les muscles des noirs qui sont alors finalement, les muscles qui participent dans la tamiche, donc ce qui fait l'érection macatoche. Et puis il y a des ligaments, donc on va le voir plus tard. Donc, c'est une courbe transversale de la verge, on a deux les corps caverneux, on a les qui participent à l'érection, donc on va l'union, c'est des corps caverneux, ou on a le corps spongieux, l'effet de l'urètre, qui est des zoonopépies, qui a des vaisseaux, l'artère ventrale, l'artère centrale, l'artère caverneuse, donc. Et puis il y a l'albuginée. L'albuginée, il y a le joueur, tout ce que vous voyez ici. L'albuginée, pour vous dire. Exemple, exactement ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce qu'il y a dans le haut de l'équipe, qu'il y a dans les testicules de l'équipe. Mais qu'il y a dans le haut. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'il y a dans le haut, il y a dans l'albugine. C'est des fibres élastiques, des fibres de collagène qui empêchent le sang de sortir et tout ça. Donc il y a là. Donc le corps spongieux, le corps caverneux. Et puis, donc, la verge, elle est fixée l'os par des ligaments. Les branches iscopuliennes, il y a le ligament suspensoire de la verge, je vais vous le montrer. Donc, la base, donc, il y a des ligaments, je vais passer. Donc, là, on voit le ligament. Des fois, quand on fait la chirurgie de l'allongement de la verge, des fois, ça m'arrive de faire ça, on gagne quelques centimètres, on fait une intervention sur un de ligament. Donc, là, on voit l'os pubien, il y a la vessie, l'urètre, il passe par la prostate, ou là, on a les différentes parties de la verge. L'urètre moyenne, l'urètre antérieure, l'urètre postérieure, prostatique. Donc, quand on fait la chirurgie, on coupe à ce niveau-là pour gagner quelques centimètres. Donc, les insertions des racines du corps caverneux sont combinées par des muscles, donc on l'a dit tout à l'heure. La compression des muscles font qu'il y a une augmentation de la pression. Les couloirs des artifacts viennent battre la verge, donc les muscles ils comprennent un petit peu le corps caverneux, de mec et donc ce qui fait que la pression, là, ou qu'elle connaît pas une érection. Donc, à nouveau, les muscles. Donc, pardon. Donc, je vais arrière. Donc, à nouveau, les muscles dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un tas d'élévateurs de l'anus, les ligaments à notre oxygène, donc le corps caverneux, les corps spongieux, les ischios caverneux, qui gèrent l'os coxal, le corps caverneux à droite à gauche. Donc, tout ça, c'est là, le périnée. Je vois la photo, elle a dit, et ça, c'est le périnée. Donc, tout ce qu'on voit, mais les cathédrales de la peau. Les cathédrales de la peau, qui est bien là, elle a des muscles à dos. Donc, vie inférieure, donc c'est un peu la même chose. Donc, là, il y a l'anus, le mahraj diel, j'ai donc c'est la polyvrose, les différents muscles, les insertions via le corps caverneux, la l'os. Et puis il y a le nerf, donc on va voir tout à l'heure les nerfs. Ça aussi c'est une coupe frontale, on voit la prostate, on voit les insertions, on voit les différents muscles. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui participent au mécanisme de direction. Après, les corps caverneux, donc on a dit tout à l'heure qu'ils sont limités en périphérie par l'albuginée. Déjà, chez Hajjali, il y a des limites de l'albuginée. Donc, les fibres élastiques, que j'ai comme tout à l'heure, vous allez voir, les fibres de collagène. Donc, le tissu caverneux, ou les qui armeuble le sang, ou les qui dérègle l'érection. Et la maquillage du tissu caverneux, ou là, le corps caverneux, la qui coche à l'érection, donc il est gorgé de sang. Il y a des fibres musculaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle les espaces sinusoïdes. Les espaces sinusoïdes, ou moins, donc les petits espaces, les qu'on offre le corps caverneux, les qu'on fait en dedans pendant l'érection. Parce que je n'ai pas l'érection, tout simplement, il y a des qui gêne le corps caverneux, qui est en état de rigidité, qui est dur, qui est chaud parce qu'il y a le sang qui contre les espaces sinusoïdes. Qu'on va voir tout à l'heure, on va avoir des petits espaces, que vous voyez là, on va avoir donc ça c'est une coupe frontale, donc on voit bien les vaisseaux, on voit le corps caverneux, on voit le corps spongieux, on voit l'urètre ici, même qu'il y a le spipi. Quand on fait une chirurgie endoscopique, on passe par ici.
Et puis on voit bien toute la biogénèse, qu'on voit en blanc, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand il s'agit de l'engorgement de sang à l'intérieur. Donc on va voir un petit peu, c'est une vue 3D, je suis désolé pour la photo parce que c'est pas bien clair, mais on voit quand même que le sang est à ce niveau-là, avec tous les vaisseaux. Voilà, donc les sinusoïdes, vous m'avez dit, les espaces, vous avez dit la salle qui est gérée à 2019, le corps caverneux à le sang. Donc on va aller. Et puis il y a des muscles, ce que vous voyez en blanc, c'est des muscles. Et puis il y a la cellule endothéliale. La cellule endothéliale, il y a chalia les quatre coins sur le il y a les vaisseaux. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure, la cellule endothéliale ou bien l'endothélium, il y a la couche interne, il y a les vaisseaux, je pense que ça vous l'avez déjà vu, l'allée vasculaire, ou la chimie de l'écouchage, le diabète. Donc l'endothélium, vous voyez donc chalia les quatre coins sur le il y a des espaces sinusoïdes. Bon, malade. Pardon, juste pour vous dire, bon, malade. Les muscles. Alors, ce qui se passe, mais les quatre érections, il y a deux mécanismes, les voies simples. Je vais essayer de bien expliquer les choses, comme ça vous allez bien comprendre. Pendant l'érection, il y a la flaccidité, il y a la flaccidité, il y a ma quatre couches l'érection. Le halal a dit. L'érection, on va voir que les muscles, ils sont relâchés. Les vaisseaux, les espaces sinusoïdes, à Amrin, ils sont gorgés de sang. Ou la flaccidité, les muscles, ils sont contractés. Ou les espaces sinusoïdes, oui. Je vous donne un exemple. Mais les candidats, le muscle d'yali, maquillage, je l'espace observe. Par contre, quand je fais ça, le muscle d'yali qui est contractant, qui prend du volume. Quelque loin, la radala indique. Donc, flérection, c'est le radiamètre qu'on contracte, c'est qu'on relâche. Pourquoi? Ben, j'ai des espaces, et pourquoi il y a un mot de ou pendant la flaccidité, au contraire, c'est le radiamètre qu'on contracte, ben, j'ai des espaces bizarres, ben, j'ai des espaces, c'est un mot de l'obtenir. Mais les quatre, la quatre contractée, qu'elle fait de l'eau, ou qu'elle fait de l'eau, mais le retour veineux, ou la veine, zap, et l'artère, blahma. Flérection, qui a la dame, c'est-à-dire l'artère, qui a le dame le corps, ben c'est très l'énergie, aïe l'artère, y'a dit. Mais les quatre qu'on a facilité, donc le muscle il va se contracter, le sang va dire que je mène à des espaces sinusoïdes, on va diminuer la veine, on va diminuer le corps. Mais la veine dorsale, la veine, y'a dit. Veine dorsale, donc y'a dit. Donc, parce qu'il a fait un tour à la carrière, le reste sera facile. Donc, c'est-à-dire, l'érection, le muscle, et les relâcher, ouf l'érection, ouf la facilité, le muscle, et les contractés, pour maquiller les espaces bizarres, les sinusoïdes, ou le temps qu'il y a un mal de l'érection. Donc voilà ce qu'on voit ici, en cas de facilité, donc les muscles, on les voit bien, en cas d'érection, les muscles sont relâchés, du coup les espaces ils sont bien relâchés, ils sont, on est, sont contractés, ils compriment un petit peu le, donc les espaces, maquiller les le sang. Donc, à l'état normal, le muscle via le corps caverneux, il est contracté. C'est bon? Il a fait toucher à jeune, vous m'interpellez chaque fois pour qu'on puisse. Alors, donc les espaces sinusoïdes, c'est l'espace vasculaire. Il y a une éponge. Il y a une éponge qui est très très bien fait. Quand j'étais là, quand on a un ravinement. Donc, il y a un petit peu de zèvres. Donc c'est-à-dire la contraction via les plongeants fait qu'il n'y a plus rien sur le plongeant que le corps caverneux. Donc la contraction via le muscle lève le corps caverneux fait que le sang il part dans le corps. Donc à l'état facile le muscle. Donc à l'état facile le muscle s'est contracté, il collabe des espaces. Pendant l'érection, le muscle s'autour des espaces et relâché et permet ainsi l'arrivée du sang qui va libérer la tête. Donc voilà, donc, c'est ça. Donc l'érection, l'artère kbira, il prend dans la flaccidité, l'artère est plus. C'est plutôt la veine qui est kbira parce que la veine, elle est en chaque veine le corps. Là, il y a la veine, la kbira, je pense. D'accord? Donc, pour vous montrer juste les différentes étapes de l'érection, là, il y a un dm, là, il n'y a rien. Le muscle en blanc, il est bien contracté, il a pris beaucoup de volume. En revanche, dans cette image, le muscle, il est relâché, qui fait que les espaces ils sont bien gorgés de sang. Après, la pression, donc, on dit que la pression elle est très faible. Et puis pendant l'érection,
il y a une grande, la pression est quand même énorme dans le corps cavernaire, ce fait qu'il dépasse des fois la pression artérielle systémique via le corps. Mais quelque chose là, ça la dépasse. Et puis il y a la contraction via les muscles, Alchimena tout à l'heure. Donc le corps spongieux, un petit mot sur le corps spongieux, ou Wahada, le corps spongieux voit l'effet l'urètre, ou Kaysan et Bleu Blanc, donc il entoure l'urètre. L'extrémité d'Yalo, quand vous le dites à l'immune, mais quand on opère une séance de l'urètre, quand il y aura le bassin, quand il y aura le chimichon de l'urètre, c'est un cylindre qui se termine par le gland. Donc on voit le corps spongieux. Il y a deux corps cavernés, il y a le corps spongieux. Donc la vascularisation artérielle, donc elle est un peu complexe. L'extin rafo qui est là, qui est un système profond, ou qui est un système superficiel. Le système profond, ou Wahada, qui gémine l'artère hypogastrique, il y a dit. Donc c'est l'artère venteuse interne, il y a dit, ou qu'il y a l'artère venteuse externe, qu'elle gêne la branche fémorale. La fémorale, il y a la, les quatre gymnes, il y a la quatre gymnes, il y a la dit, ce que vous voyez ici. Donc il y a la qui gêne le son et la verge. Donc il y a deux systèmes, le profond et le superficiel. Et puis le drainage veineux, pareil. Donc il y a un système profond et superficiel, le son qui rejoint le corps caverneux, le chiraudimchil, la circulation générale. Après. On va parler un petit peu de la physiologie, là c'est un peu compliqué, on a quel radi al-hawl. La physiologie, je n'ai pas la physiologie. Quand on dit la physiologie, c'est-à-dire comment ça se passe, à ce moment-là, les mécanismes qui fâchent qu'à prendre l'érection. À ce moment-là, je l'ai qu'à être l'eau pour avoir une érection qui doit être normale et complexe. Donc, la physiologie. Donc, alors, le corps caverneux sont les éponges, qui est magina, qui oscillent entre. On off, awa, waqaf, une érection, et par facile, il n'y a pas d'érection. La flaccidité et la rigidité, on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des phénomènes. Je sais qu'on a de l'érection, il y a plusieurs phénomènes. Il y a une chirouège, l'irsna, et qu'on a de l'érection. Une érection. Il y a le phénomène électrique, je te vois électrique, je suis dans les nerfs, c'est-à-dire les nerfs. Voilà, c'est tout ce qui est terminaison synaptique, tout ce qui est le flux nerveux, tout ce qui est. Là, il y a un problème. Neurologique, en l'occurrence la sclérose en plaques, des maladies, des traumatismes médulaires, des problèmes neurologiques, mais quelque chose à nouveau de phénomène, donc du coup, il n'y a pas d'érection. Phénomène hydraulique, c'est le sang, c'est la canalisation, c'est TOX, c'est FOX, c'est tout ce que vous voulez. Et le phénomène hormonal, c'est les hormones. Les hormones, les cataraouines, l'érection. Si on est là, il y a une anomalie quelque part, forcément, et qu'on a un problème. Donc, il y a mais les gens check-up un malade, les gens chauffent, et puis on voit un petit peu ce qui se passe, et on prend le bon, là où il y a l'anomalie, pour la corriger. Donc, on va parler un petit peu du phénomène de contrôle nerveux. Donc, il y a une innervation via la verge, il y a une double innervation. Il y a ce qu'on appelle autonome, il y a somatique. Autonome, je te dis, autonome, il y a un amacanage, je ne sais pas, je me réveille le matin, j'ai une érection, c'est autonome. Il y a le sympathique, il y a le parasympathique, c'est un peu compliqué. Le docteur Bella. Donc, tout à l'heure, on a parlé de. Il y a l'innervation, il y a l'innervation autonome, sympathique, parasympathique, il y a des mécaniques très chères. Personne n'est incapable de la contrôler. Et puis, il y a la somatique. L'innervation somatique fait un. Sans équivomotrice, il y a un nerf pédonal, il y a beaucoup de nerfs qui vont intervenir dans l'énervation somatique, on va le voir tout à l'heure. Donc, l'image, je ne vais pas la détailler plus que ça, parce que c'est déjà compliqué pour moi. L'essentiel, ce qu'il faut connaître, c'est qu'il y a des terminaisons nerveuses, et puis il y a un certain nombre d'hormones, et puis il y a un certain nombre de produits, de dégradation de l'AMP cyclique en GMP cyclique, et puis il y a des ions qui vont rentrer dans le muscle. Kéninchi hormonal, Kéninchi watch qui dégrade la voie de l'AMP cyclase, ou l'ex-contrafo, Kénin des échanges ioniques, via le muscle, l'adala, au bras de l'adala, parce qu'on a conduit la contraction, tout à l'heure, on a parlé de la contraction musculaire, et puis on a parlé de la dégradation musculaire, donc il faut un certain nombre de choses qui se passent à ce niveau-là, et puis. Là où il y a les phosphodiesterases, donc on va reparler après. Donc, vous allez voir, donc il y a le système adrénergique, donc les nerfs, et puis il y a un certain nombre de protéines,
Et puis, il y a un certain nombre de transformations qui vont entraîner soit la contraction, soit le relâchement musculaire. Et puis, il y a les muscles, l'endothéliome vasculaire, les défaisons tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure du muscle. Les défaisons, ça joue un rôle très important. Ce n'est que les échanges, par voie, ils participent. Parce qu'on a la dégradation de la gène cyclique. Mais les quatre colonnes, l'anomalie de l'endothélium, les quatre colonnes, les muscles qui font rallier à des quatre colonnes de vaisseau, forcément, on aura une dysfonction utile par l'altération des muscles endothéliens. Donc, vous allez voir ici sur une coupe anatomique, il y a quand même pas mal d'innervations. Donc, on a parlé tout à l'heure sympathique, parasympathique, somatique, sensitivo-motrice, donc un chipoul, chitilinaire. Juste entre parenthèses, lorsqu'on fait une chirurgie de prostate ou de la vessie, les malades. Forcément, les quatre rayons de l'hérome, la vessie ou la prostate, ont les nerfs qui sont atteints. Les quatre rayons de l'hérome nerveuse, forcément, on va être dans une dysfonction rectile. C'est très rare, parce qu'on a un malade, qu'on opère, pour marquer un faisceau chèvre. Parce que le bistouri, le lit d'achour, le chibachamon, c'est tout, à nous, c'est très beau chemin. Donc, du coup, ma quatre couches, l'énervation, les quatre généraux, donc, quand on a une dysfonction rectile, il y a des malades, il y a une chirurgie périnée, mais la chirurgie rectale, la chirurgie digestive, la chirurgie prostatique, la vessie, tout ça. Après, donc, l'importance, donc, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, donc il y a toujours une stimulation sexuelle. Ce que je voulais vous parler de la voie de la monoxyde d'azote. La monoxyde d'azote, il y a la plus importante, Fadchi, c'est la transformation de la protéine GPP en GMP cyclase, une protéine kinase, les catarténas, une relaxation musculaire, par la suite, catarténa, une érection. Donc, il y a la voie de l'érection. Mais les quatre colonnes, de la voie Hadi, qui est de la phosphodestérase 5, les catarténas, le relâchement. La contraction musculaire, donc à l'état facile. Donc, on a fait une réflexion des épées de ça, on a fait la voie à vie, les médicaments, on passe à la voie à vie. Donc, quand on donne des inhibiteurs des phosphodestérase 5, on passe plus à la voie, on passe à la voie inverse, qui fait que la GNP cyclique, il va passer à la voie avec une baisse du code d'éducation qui va créer le muscle, avec le potassium et puis le relâchement musculaire. Donc, elle dit la voie de la monoxyde d'azote. Donc, mécanisme d'érection, donc il y a une stimulation nerveuse, il y a une stimulation sexuelle, soit visuelle, le chauffe, soit tactile, le lems. Après, il y a une stimulation nerveuse, donc les nerfs avec le flux nerveux. Et puis, il y a la libération de la monoxyde d'azote, les corps caverneux, la transformation, et puis le relâchement musculaire, et puis l'érection. C'est clair? D'accord. Donc, j'ai essayé de passer rapidement sur l'anatomie et la physiologie, pour laquelle j'ai insisté sur certaines choses qui sont quand même assez importantes pour qu'on puisse comprendre le reste. D'abord, on a la dysfonction rectile. Donc, achetez bien la dysfonction rectile. La dysfonction rectile, c'est quoi? Il y a une définition de l'OMS, on a fait un cadeau. La définition, la alors, la dysfonction rectile, c'est une incapacité, tout simplement. Adam le Khodra. Incapacité. Adam le Khodra. Il y a des réunions, bah, donc, c'est une incapacité. Il y a persistante, il y a une permanente, ou la récurrente. Récurrente, mramra. Il y a une occasionnelle, intermittente. Il y a une kadjim mramra. Je n'ai pas la capacité d'y aller, de maintenir ou d'érection. Les radicones permettant ou de rapport sexuel. Donc, c'est une incapacité persistante ou récurrente. D'obtenir ou la maintenir. Il y a une maintenance d'érection pour avoir un rapport, ou la 4 connes d'érection, elle a quand même ses dommages, après quelques secondes, on ne peut pas l'érection. Donc il y a deux, incapacité persistante récurrente, elle est permanente, intermittente, obtenir ou la maintenir. Il y a la définition de l'OMS. Alors, 3 mois, un recul de 3 mois, c'est-à-dire que j'ai une dysfonction rectile pendant 3 mois, pour dire que voilà, j'ai eu le diagnostic de dysfonction rectile.
Bien évidemment, j'exclus les autres pathologies, maladies fatiguées, un problème chirurgical, ou la maladie endo, une radiothérapie, ou la maladie endo, un accident de la voie publique, ou la post-traumatique. Ou le patient, généralement, on voit qu'il se plaint. C'est un désordre, qu'il nous dit qu'il n'y a plus, ou à dire. C'est le malade qui dit qu'il y a une souffrance du couple et tout ça. Donc c'est une mesure objective. Et puis, n'aura pas marché, c'est une voiture, ça fonctionne bien, donc c'est juste pour vous dire que c'est quand même sérieux. Après, on va parler des statistiques. Les statistiques, ça fait peur. Les statistiques font peur. C'est-à-dire que 50% des hommes, plus 40. C'est-à-dire que les quelqu'un fait de la safi à mi-droite, comme si il y a une dysfonction rectile. Partout dans le monde, c'est ce qui existe aujourd'hui. Les deux clés, comme si il y a une 20% d'une dysfonction rectile sévère. C'est-à-dire que ça, même avec le traitement médical, ça ne marche pas. Il faut passer à autre chose. L'immense majorité des cas, c'est des diabétiques. On a fait marrer, on a le diabète, parce qu'on est le seul pays au monde. Les cancers vont arrêter, mais le frère arabe, ça se fait nulle part ailleurs. Il a mis tout à l'heure dans la salle. Il a mis tout la première fois. Quand j'ai le café, quand j'ai fait ce qu'il y a de quoi, il a dit fou, quoi, qu'est-ce qu'il y a de quoi. Il a dit, c'est comme un cancer, c'est le café. Donc, le sucre. On va qu'est-ce qu'il y a de quoi. On va qu'est-ce qu'il y a de quoi. C'est les toxines blanches, saumon le vaillant. Donc il faut au maximum. Parce que là, juste pour à titre anecdotique, j'ai vu un malade il y a quelques jours, un de 38 ans, il s'est marié. Après 8 mois de mariage, j'ai indiqué pour un dysfonction rectile. Il y a là, je n'arrive pas avec mon épouse. Depuis le premier jour de mariage, c'est toujours, dès que j'ai remarqué que j'étais très bien, j'ai remarqué que j'étais très bien, non, je ne suis jamais allé voir le médecin, et je me sens très bien, alhamdoulilah, m'a dit que j'ai symptômes, m'a dit que j'ai rien, quand le tout, les vaisseaux de la verge sont top là, rien, me laissez tout, de chez 3,25 g de diabète. Juste pour vous dire que des fois, c'est une découverte fortuite, dire le diabète, chez des patients qui sont bien porteurs, il y en a quand je suis à Driada, ou quand je suis à Dinsdekhredbadiella, donc il faut faire attention. Le diabète, c'est silencieux, ça évolue à bas bruit. Des fois, le malade, il a des malades, il a des dysfonctions rectiles, mais les 4 chevaux, essoufflés, mais les 4 chevaux cardiologues, ils voulaient qu'il y ait une cardiopathie sévère, qui soit un stade urgent. Il y a un problème cardiovasculaire qui est révélé par la dysfonction rectile. Ouais, j'arrête pour la dysfonction rectile, pour quelque chose de fonctionnel, alors qu'il a caché un problème vital. Donc, c'est-à-dire que la dysfonction rectile, c'est quand même un signe d'alarme. Donc, 50% c'est les diabétiques, 20% les cas d'autres la consommation. Qui m'avait fait comme tout à l'heure, je vous explique tout à l'heure. Il y a des malades qui viennent nous voir parce qu'ils ont une dysfonction rectile, mais ils n'osent pas le dire, voilà, j'ai une verrue urinaire, j'ai un problème de prostate. T'as le chamelier qui a salé la consultation, il voulait qu'un docteur va voir qu'il a un Donc finalement, on change tout. Donc, les statistiques, on a un autre, malheureusement. La dysfonction rectile, elle est très courante. Donc, c'est un problème qui est peut-être abordé, peut l'aborder en médecine généraliste. Donc, 50%, c'est un homme sur deux, bien évidemment. 55% des hommes, pontage coronarien, 60% donc hospitalisé pour l'infarctus du myocarde, ça, c'est juste des statistiques que je vous ai mis pour vous dire qu'il y a pas mal de problèmes cardiovasculaires chez des patients qui ont un problème de dysfonction rectile. C'est un signe d'alarme. Les quatre connaît dysfonction rectile active flash, il faut signifier quand même qu'il n'y a pas un problème cardiovasculaire sous-jacent qui est beaucoup plus sérieux. Alors, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Le malade, il parle de la douleur, il parle des fuites, il parle de tout ce que vous voulez, mais chez les Français, voilà la dysfonction rectile. Alors, la prévalence d'insuffisance rectile selon l'âge. Donc juste pour vous dire, au fur et à mesure on avance, faut la flash, la dysfonction rectile, quand elle est sévère, quand elle est sérieuse. Et là, si on le traite. Donc juste pour le résumer. Et puis, l'augmentation de la prévalence est un problème qui ne cesse d'augmenter partout dans le monde.
jamais douane, jamais partout. C'est un problème, les sérieux. Alors, les facteurs de risque, donc, les maladies cardiovasculaires, les troubles de l'érection, la dysfonction endothéliale. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la cellule endothéliale, ralia, les quatre coins, les vaisseaux. Un mécanisme physiopathologique commun. Comment ça se passe? On va le voir tout à l'heure. Alors, l'endothélium, où est-ce que les ralia, les quatre coins, les ralia? Je vais faire l'image tout à l'heure, les kékonos des échanges. Il y a les quatre athénas, donc les mécanismes de la voie de monoxyde d'azote, la voie de la GMP cyclase, la voie de la transmission nerveuse. Il y a les quatre kékonos, la relaxation et la contraction de le muscle, les kékonos, le corps caverneux. Les kékonos dans l'espace, les sinusoïdes, les machines, les rythmes, ils se relâchent, ils se contractent pour que les espaces puissent se gorger de soi. Donc, Adam, c'est un vaisseau normal. Chez un être humain, normal. Qui n'est pas diabétique, qui n'est pas hypertendu, qui pratique du sport, qui n'est pas gros, pas obèse. Adam, les vaisseaux diabétiques, il y a donc, c'est-à-dire, le khaliyan dial. Adam, c'est un endothélium anormal. Le khaliyan dial, les vaisseaux, on va faire jouer les vaisseaux dial. Donc, il y a beaucoup de dysfonctions. Il y a ce qu'on appelle la vasoconstriction, il y a la migration, il y a les dépôts, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'endothélium qui font que, la qualité de l'eau est si on peut dire ça. Donc tout se joue à ce niveau-là. Il y a des lésions microvasculaires, il y a l'occlusion des vaisseaux, donc les vaisseaux. Il y a une anomalie de l'endothélium, il y a le déficit, donc les anomalies sur les terminaisons nerveuses, la loi de la monoxyde d'azote, diminution d'oxygène dans le corps caverneux, qui vient s'entraîner une dysfonction rectile, c'est-à-dire la voie de le problème de l'endothélium. Alors les causes. Il a surtout un chimique, on a parlé un peu de l'anatomie, de la physiopathologie, on a parlé aussi de l'endothélium. Donc je pense que vous allez déduire quand même les causes vous-même. Je m'en prie, on va dire que les normales causes, il y a la dysfonction rectile, la manière de la diapositive. Le diabète, la dysfonction vasculaire, le stress. Donc, le chimique, le diabète, exactement. Très bien. Donc, on va les classer. Donc, il y a des causes organiques, psychologiques, médicamenteuses, toxiques et le vieillissement. Les causes organiques, c'est ce que vous venez de me dire. Le diabète, la première cause. Ce que je dis à mes malades, qui a le diabète, qui a l'hypertension, qui a les maladies cardiovasculaires, qui a le stress, qui a un détail, je l'ai acheté, ou avec une carte essentielle, je l'ai dit à l'hypertension artérielle, une cardiopathie ischémique, qui a le mal de l'hypertension.